voyage jusqu'aux origines de la foi. Ridley Latimer allume un cierge. Épisode 36. Au moment de la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb en 1492, deux hommes sont nés de ce côté-ci de l'Atlantique et auront un impact puissant sur la formation du protestantisme en Grande-Bretagne. Latimer et Cranmer. Hugh Latimer est né en 1491, ici dans le petit village de Thurcaston, juste au nord de Leicester. Une région similaire à celle où John Wycliffe aurait travaillé un peu plus d'un siècle auparavant. Son père était agriculteur, et pourtant, malgré leur humble condition, il s'est assuré que Latimer reste à l'école et reçoive une éducation, une décision vitale qui le mènerait loin dans la vie. Il s'inscrit à l'université de Cambridge à l'âge de 14 ans, et en 1510, il fut élu membre ici même, à l'établissement du Clare College. Il était à l'époque un ardent papiste, et prêchait passionnément contre les hommes comme Luther et Mélenchon pendant 7 ans. Sa croyance dans les enseignements catholiques était grande, et son zèle dans la mission divine de la papauté était inébranlable. Alors, qu'est-ce qui a transformé ce pilier du papisme en un pilier du protestantisme? Une rencontre avec un homme du nom de Thomas Bilney, qui lui rendait visite par la suite, allant même jusqu'à venir au confessionnal pour lui parler. Et il finit par changer d'opinion. Les deux hommes iront plus tard, ensemble, visiter les malades et les prisonniers de Cambridge. Latimer est ensuite devenu l'aumônier royal et l'évêque ici à Worcester, plaidant pour la réforme papale et dénonçant le clergé qui ne possédait pas de Bible, ou les paroissiens qui ne pouvaient même pas réciter le Notre Père. Sa vive invitation à la réforme l'a conduit en prison en 1539, mais il a été épargné par l'État grâce à l'intervention de Thomas Cromwell. Il resta en prison jusqu'à la mort d'Henri VIII, lorsqu'Édouard VI le libéra. Il n'occupera plus jamais la haute fonction d'évêque, mais continua à prêcher régulièrement, où les auditeurs appréciaient sa prédication, connue pour son esprit, son intelligence et son caractère biblique. À la mort d'Édouard VI, le 6 juillet 1553, l'Angleterre est plongée dans la tourmente. Lady Jane Grey accède au trône, mais seulement pendant 9 jours, avant que Marie Tudor n'occupe le trône. Malgré une faveur initiale envers les réformateurs, ses intentions de faire de l'Angleterre une nation catholique sont vite devenues claires. Marie ordonna l'arrestation de Latimer. La nouvelle que ses ravisseurs étaient en route lui parvint, lui offrant une opportunité de s'échapper. Mais il choisit de ne pas le faire. Alors qu'il passait devant Smithfield en route pour Londres, il commenta « Cet endroit a longtemps soupiré après ma vie. » Emprisonné ici à la Tour de Londres, il rencontra Nicolas Ridley, évêque de Londres, et Thomas Cranmer, archevêque de Canterbury. En mars 1554, ils furent jugés ici à Oxford, où Latimer fut interrogé pour savoir si le corps naturel du Christ se trouvait dans le sacrement. Question à laquelle il répondit « Le corps de notre Sauveur est au ciel, là où il partit au moment de l'ascension. » Il poursuivit en expliquant que le changement au moment de la communion n'était pas dans le pain, mais dans le cœur du croyant. Lui et Ridley furent condamnés à mort, et le 16 octobre, ils furent amenés sur le lieu de leur exécution, à l'extérieur du collège Balliol. Ici, une croix marque le sol de l'endroit exact où ils furent brûlés vifs. Avant les flammes, ils ont partagé une étreinte, et Ridley dit à Latimer, « Rassurez-vous, mon frère, soit Dieu apaisera la fureur des flammes, soit il nous fortifiera pour l'endurer. » Latimer répondit alors, « Prenez courage, maître Ridley. » Et comportez-vous en homme. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allumerons en Angleterre un cierge qui, je le crois, en Dieu ne s'éteindra jamais. L'histoire nous dit que Latimer est mort peu après, mais Ridley est mort d'une agonie longue et douloureuse.
Le coût de leur mort était d'un peu plus d'une livre et 5 shillings. Mais le résultat réel fut le renversement du romanisme ici en Angleterre. Le pays tout entier fut consterné par une religion qui dut recourir à des méthodes si brutales afin de se maintenir. Alors que nous contemplons leur vie et leur mort, la véritable question qui se pose à nous est la suivante. Est-ce que la flamme qu'ils ont allumée à leur mort brûle encore dans nos vies et notre témoignage aujourd'hui ?